hommes unis dans l'effort pour l'indépendance. Nous nous offrons longtemps courbés et pour des bons prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix citoyenne, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux. Viva! Idepes, viva! Viva! Idepes, viva! 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 Tshisekedi, président! Vous êtes un peu calme, là, on n'entend rien, on va répéter. Idepes, viva! Viva! Idepes, viva! Viva! Idepes, viva! 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 Tshisekedi, président! Merci. Donc, bienvenue à notre septième table de réflexion. Ça, c'est la première table de réflexion de cette année 2016. Vu que l'année 2016 est une année très décisive pour, par rapport à la situation politique dans notre pays, on espère qu'on va multiplier les tables de réflexion cette année. On va même arriver à 200 s'il faut, parce que c'est vraiment très important à ce moment de s'organiser, à penser, à faire des stratégies pour... c'est mettre en ordre de bataille pour chasser cet individu à la tête de notre pays. Comme veut la tradition à l'île de Pest, donc je vais inviter maintenant le président sectionnaire de Bruxelles, M. Mitch, de venir nous dire un mot de bienvenue. Bonsoir, comment ? Bonsoir, monsieur. Je crois que c'est eux qui ont... C'est ma présidente qui veut réellement instituer cela. Parce que moi, je crois que c'est la réunion de la Ligue des jeunes. Je suis venu seulement ici pour pouvoir assister, comme tout le monde. Mais il est vrai, comme vient de le dire, nous, au sein de la section, nous avons l'habitude de parler français et lingala. Et peu importe le lieu, nous ne changerons jamais notre façon de faire et nous continuerons. Voilà pourquoi ce court message que je vais donner, je le dirai en lingala. Tokomina Tango Oyo, Bisson Asaya, Udepes Awa, Zen Kamboya, élection. Oisa, période il y a élection bande pour l'année. À table, bago sala table la réflexion, bago le bano français, bago sala nini, amio soyo. Et quand mon néné, quand on a beaucoup de l'élection, bato yo so ba yeba, ba finga biso ba seka kam kolonyo so, il dépasse les rangs en bon côté. Il y a solo. Tout ça dans le bon côté. Au travers, bago ma kambo yo so toko sala oyo, c'est pour nous une façon, yako bando ko collecter. Tout l'ingité kaka oko sali vidéo, bo fingi. Eh, tu sais que y a ça, il y a ça. Non, il faut que soutenir Tumba. Oh, monsieur Torosal. Yango, j'espère que. Bah, on va battre à son. On dit que ça lui va avoir un aviso. On va battre à son. Tenga la tête à son écran. Donc, l'ingé Boyoana, à toi, pour lire moi un livre en abango, pour me l'attendre moi à Kokana Bango, pour ça, la motte, ma capacité aux ongles, tiens, moi, et l'eau, on a poche. Pour y avoir tiqué la bango, moi, et l'eau, quoi, wow. Ce qu'on y attend à Mila, au Pessi, au Salam Alam. Ce qu'on attend à moi, ça, Pessa. Explication, on a tout ce que tu explication. Babi, au côté de la gamme, on problème d'explication, ça va. Donc, les lois, tant que avant vous kendawa, tant que vous avez un mot, vous pensez pas que vous avez un mot, vous avez un mot. Donc, cela veut dire que faut vous pensez pas que vous cotiser. Donc, on ne sait pas que ça, ça, la fruit à la salle, mais moi, je ne sais pas que ça, je suis en poche, je ne sais pas que vous avez un mot. Et puis, vous avez un mot, vous avez un mot, vous avez 200 millions, vous avez une toile à mot. Donc, tu n'as pas une moto qui va te donner, tu n'as pouvoir te poto yiba ou quoi que ce soit. Mais tout le monde est une photo ça là, n'a pouvoir. Donc, voilà le cambé, il y a moi. Dernier temps, tu as une distraction, tu as une idée de ça. Et là, on a vu ce que les amis, élection. Tu as mis bon guisa. On a vu que tu as un poto qui est un objectif parce que tu as une photo ça là, n'a pouvoir. Tous les gens qui ont été de gauche, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
Ma soeur, la mission n'est pas gâteau s'organiser, caca, pour le week-end, l'élection. Oh, il y a eu des pièces. Toi, il y a eu des pièces. Toi, il y a eu des pièces. Il y a eu des pièces. Il y a eu des pièces. Il y a eu des candidatures. Il y a eu des pièces. Il y a eu des pièces. Tu diriges un bon cabisson de mon côté. La casse de sorcellerie, vous avez eu un nouveau. Oh, ma cabane, la zone, vous avez eu un bon cabisson de mon téléphone. Et nous, vous avez eu un bon cabisson de mon côté. Vous avez eu un parti de société. Tout le monde a eu. Voilà, on a eu un bon cabisson. Donc, bref, pour dire que Réunion est allé là, Toye Awa, et ça, jeunesse. Dès qu'on a pas beaucoup de boyeté, on a pas besoin de se mettre sur le micro, on a pas besoin de se mettre sur le micro. On a pas besoin de se mettre sur le micro. Moi, je suis là, moi, moi, 100, moi, 200. On est dans la zone où on a dit, c'était la matière de Pendel Colo. Moi, 100, moi, 200, moi, 1000, moi, 700. Moi, je suis là. Ligue des jeunes, et qu'on voyait mon moyen pour foutre un cabinet au Cognos au Barossal. La paix, c'est une merci. Réunion, madame. Merci, messieurs. J'ai pas d'autres formats. Je veux déjà inviter Amis Bouchy, qui va assurer la modération de cette soirée. Je vais venir. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme vous avez reçu le programme, nous sommes à notre septième table de réflexion. La table de réflexion, généralement, il y a 15-20 personnes à peu près, on s'est réunis. C'était à Simonis. Maintenant, nous sommes ici dans cette salle pour la troisième fois. La table de réflexion avec pour objectif tout simplement de choisir des sujets clés de l'actualité de notre pays et de pouvoir discuter, réfléchir pour dégager des pistes, des solutions. Maintenant aujourd'hui on est passé à une deuxième phase parce qu'on était, comme j'ai dit, 10-15. Il y avait, je ne vais pas tous les citer, mais ils sont ici dans la salle. Donc maintenant la deuxième phase, c'est-à-dire que nous organisons aussi des conférences parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, bon, vous êtes qui disent qu'ils sont en train de réfléchir, nous autres, nous aussi, nous voulons donner des points de vue et des idées. Voilà pourquoi nous sommes aussi en conférence aujourd'hui pour discuter. Donc écoutez ce que nos amis ont prévu pour nous, mais poser des questions, peut-être des bonnes idées, viendront de vous. Et nous allons synthétiser tout ça pour présenter ça aux autorités du parti ou à qui des trois. Donc voilà. Donc. Je ne veux pas la première partie, comme on disait, présentation des invités. Je crois qu'on se connaît presque tous. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont ici, aux autorités du parti, M. Mitchell et Yopin qui sont là, qui représentent la section Bruxelles, le cabinet du SNRE. Je vois M. Chungu, merci beaucoup de votre présence, M. Chungu. Et je vois les amis de Tshisekedi Forever qui sont là. Merci beaucoup, M. Vamou et Pasteur, de votre présence, bien entendu, la force du combat intelligent avec M. Babi Baloukouna et toute son équipe. Donc, merci beaucoup à vous de vous être déplacé et d'être parmi nous. Voilà, donc, maintenant, la première partie, si vous pouvez distribuer, je ne sais pas pourquoi. La première partie, comme vous voyez, on parle bien du discours, donc lecture du message du président Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Pourquoi je souhaite qu'on puisse lire ça, lire tout simplement, faire la lecture, c'est parce qu'il y a eu, beaucoup de gens, j'ai vu, qui se sont posé la question que M. Étienne Tshisekedi n'a parlé que 3 minutes, les 3 minutes de la vidéo. Or, dans les 3 minutes, il a bien précisé et il a bien dit que par voie des presse, par voie des médias, vous allez écouter mon message. Donc j'ai le message du président ici qu'on est en train de vous distribuer. Nous allons lire ça ensemble, donc la lecture du message du président Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Message de vœux du président élu à la nation à l'occasion du nouvel an 2016. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, l'année 2015 vient de s'achever sans que notre peuple qui est la source, la finalité et la justification de l'organisation du pouvoir d'État n'éprouve la moindre satisfaction de ses intérêts légitimes. La précarité, la misère,
et le désarroi ont été les lots quotidiens des millions de nos compatriotes pour qui la vie continue d'être un chapelet de souffrances. Mes pensées vont particulièrement aux victimes récurrentes des assassinats dans la région de Peni-Boutembo, aux anonymes enterrés sans égard dans des fosses communes, dont la plus connue est celle de Maloukou, aux nombreux morts lors des récentes inondations, faute d'infrastructures adéquates. Je n'oublie pas ceux qui sont injustement détenus et privés de liberté pour des raisons politiques et pour qui j'exige une libération immédiate, ainsi que ceux de nos compatriotes qui endurent de nombreux autres malheurs. Ma peine est d'autant plus profonde qu'ayant bénéficié de vos suffrages en 2011, je suis contraint de déplorer cette situation de chaos généralisé due à l'incurie criante d'un régime usurpateur. Il n'est pas étonnant de constater que, ne jouissant d'aucun soutien de la population, ces derniers ne pouvaient se dédier à la cause de ceux qui ne l'ont pas porté aux responsabilités. C'est dire comment l'État congolais, dégradé dans sa fonction et réduit à l'apparence, a reculé sur tous les plans sécuritaires, économiques, sociaux et autres, en marquant de grands bonds en arrière. Je n'ai jamais désespéré de l'avenir radieux de notre pays. Je reste convaincu qu'avec l'alternance qui s'annonce, notre peuple va enfin entrevoir la possibilité de vivre heureux et prospère sur la terre de nos ancêtres. D'ailleurs, je vois le peuple congolais debout est déterminé à en finir avec ses pouvoirs de défi, de prédation et de violation massive des droits de l'homme. Chers compatriotes, mon credo politique qui résume nos longues années de combats acharnés, menés avec obstination et l'instauration d'un état des droits démocratiques qui garantisse les libertés, la justice sociale, le droit de l'homme et la recherche du bien commun. Telles sont les valeurs qui assurent la paix et le développement d'un pays comme le nôtre, dont la situation socio-économique est paradoxale au regard d'énormes potentialités dont il regorge. Face aux violations répétées de prescrits de l'accord global et inclusif signé et scellé à Pretoria en 2003 par l'ensemble de la classe politique congolaise, comme socle des valeurs communes fondant un État moderne et démocratique, nous nous trouvons devant l'immense défi de reconstruire et de réinventer ces pactes républicains ainsi rompus. Pour rappel, cette rupture est due à la violation délibérée des règles convenues du jeu démocratique, à la mauvaise gouvernance, au refus de s'incliner devant le verdict des urnes, au non-respect de la durée des mandats de certaines institutions, à la violation des droits élémentaires des citoyens, ainsi qu'à la gestion partisane de la res républicaine. Chers compatriotes, malgré et imprégnés par la lutte non-violente, marqués et imprégnés par la lutte non-violente, j'ai soutenu et préconisé les dialogues politiques comme voie royale pour nous permettre de rebâtir le pacte républicain et les régimes qu'il induit, de trouver les voies et moyens en vue de sortir de l'impasse politique actuelle et d'obtenir par voie consensuelle un processus électoral crédible et apaisé devant nous conduire au scrutin tant attendu de 2016. Il s'agit donc d'un nouveau processus que nous voulons tous exempt de tripatouillage, de résultats et de violences occasionnant de pertes inutiles en vie humaine à l'instar des élections de 2011. À propos de ces dialogues politiques qui tirent sa source de l'accord cadre d'Addis Abeba et des résolutions subséquentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, la position de mon parti UDPS, même fois réitérée, était de voir ce forum se tenir sous la médiation internationale à Kinshasa et avec comme témoin l'ensemble de notre peuple.
Quant au rôle de la communauté internationale, nous n'oublions pas son importance dans le grand tournant de notre histoire. De la conférence de Berlin à son indépendance en 1960, du départ de Mobutu à la succession de Kabila jusqu'aux interminables guerres qui ravagent nos contrées. Force est de constater que les Nations Unies, auxquelles nous nous sommes adressés à maintes reprises afin de nous accompagner dans cette démarche par la désignation d'un facilitateur, demeurent à ces jours sans solution. Pendant ce temps, le régime de fait multiplie des actes inacceptables d'intimidation, des manipulations et des provocations pour détourner les nobles objectifs préconisés par le dialogue et afficher sa détermination, désormais dévoilée, de perpétuer son règne honni par notre peuple. Je réaffirme notre détermination à défendre la Constitution. Je réaffirme notre détermination à défendre la Constitution et le délai qu'elle prescrit à régler les contentieux électoraux de 2011, à répondre la CENI qui demeure le vecteur principal du dévoiement de notre processus électoral et démocratique, à organiser un processus électoral dans un climat apaisé, à favoriser un transfert pacifique du pouvoir dans le respect de l'expression de notre peuple. La réconciliation tant recherchée et attendue est à ses prix. Devant les obstacles dans la réalisation du dialogue tant souhaité, seul notre peuple constitue notre ultime recours. Je prendrai incessamment l'initiative de rassembler et de canaliser les énergies de toutes les forces acquises au changement pour qu'ensemble nous puissions. 2.1. Défendre valablement les valeurs de la République, scellées dans notre Constitution. 2. Obtenir un processus sur un processus, obtenir un consensus sur un processus électoral crédible. Nous impliquer dans l'organisation des élections présidentielles et législatives, dans les délais constitutionnels et dans un climat apaisé. Sur le plan diplomatique, j'ai décidé de lancer une campagne de sensibilisation pour désamorcer cette énième crise qui menace la stabilité du Congo et de toute la région. Chers compatriotes, l'année 2016 qui commence doit être une année électorale. L'année 2016 qui commence doit être une année électorale. Une année de tous les espoirs, une année cruciale et décisive. Une année qui permettra aux Congolais et aux Congolaises d'exprimer à travers les urnes leur engagement pour un état de droit. C'est au cours de cette année qui commence que les forces du changement devront se retrouver pour mettre fin de manière consensuelle à l'impasse politique dans laquelle nous nous trouvons depuis les 4 dernières années. D'ores et déjà, j'annonce pour proche mon retour au pays. D'ores et déjà, j'annonce pour proche mon retour au pays. Je viens me joindre à vous pour qu'ensemble, nous volions au secours du navire Congo qui tombe, secoué par des vagues et des tempêtes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même si aujourd'hui l'ennemi voltige autour de nous, nous divise et nous déstabilise. Revenons sur nos consciences, soyons unis. Chers compatriotes, convaincus que c'est notre peuple qui sortira victorieux et gagnant, convaincu que c'est notre peuple qui sortira victorieux et gagnant de toutes les épreuves et face à l'imminence du changement, je vous adresse mes vœux le meilleur, des bonheurs, des prospérités et de paix. Vive la République, vive le Congo, fait à Bruxelles le 31 décembre 2015, signé Étienne Tshisekedi Wamulumba, président. Congo viva! Viva! Congo viva! Viva! Congo viva! 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 Tshisekedi, président! Merci beaucoup d'avoir suivi ces discours. C'est le message de notre président valablement élu. Parce qu'entre nous, il y a des gens peut-être qui disaient qu'il n'avait parlé que 3 minutes à la vidéo. Non, il y a un message fort que nous devons être des apôtres. Nous devons aller dans toutes les maisons, dans toutes les rues, pour aller prêcher cette bonne nouvelle, pour aller dire aux gens que voici la position de notre président. Donc,
n'ayez pas peur, et les mots que moi j'ai gardés. Peut-être chacun de nous a gardé une phrase, bientôt, en tout cas tantôt là, dans la discussion, chacun dira son point de vue. Mais pour l'instant, j'allais seulement vous dire, n'ayons pas peur. Voilà, n'ayons pas peur. C'est ça le mot le plus important du discours de notre chef. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez tous le programme. Nous avons tous le programme, donc comme vous le voyez, donc le discours du président se fait. Nous en reparlerons d'ici quelques minutes. Et maintenant là, nous allons passer la parole à M. Damien Douambi, de PNC. Quel rôle peut jouer un citoyen dans la lutte des libérations? Vous avez le papier, vous voyez le titre. Donc il va essayer de nous expliquer, de nous donner son point de vue. En tout cas, le rôle que nous, en tant que citoyens, bon, d'autres combattants, d'autres résistants, nous, membres du parti, d'autres sont dans les associations, ONG et autres, nous tous, que pouvons-nous faire? Comment devons-nous nous comporter pour hâter notre victoire? Tarsis Loseke va commencer. Donc voilà, M. Tarsis Loseke, que vous connaissez, il est, je dirais, doublement cadre dans l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est membre de la cellule d'appoint, cellule de sensibilisation, de mobilisation de notre peuple. Et deuxièmement, il est membre de la commission qui prépare le congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social et un proche de M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. M. Tarsis Loseke, nous vous donnons la parole pour nous donner ce que vous avez préparé pour nous ce soir. À vous la parole. Merci. Comme vous voulez, si vous mettez debout, bien vous êtes assis, il y a deux micros. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais d'abord m'excuser pour le retard. Ce n'est pas dans mes habitudes, même la route qui mène jusqu'ici était barrée par les pompiers et je n'ai pas pu venir, arriver plus tôt s'il y avait des embouteillages. Je n'ai pas préparé vraiment un discours ou un speech. On m'a demandé, les organisateurs à qui je remercie pour m'avoir donné cette opportunité, m'ont demandé de vous parler de la non-violence et de l'article 64. Je vais vous parler de la non-violence en trois parties. D'abord, la non-violence telle qu'on la pratique, la lutte non-violence bien sûr, telle qu'on la pratique partout dans le monde, la lutte non-violence telle qu'elle est pratiquée chez nous au Congo par l'opposition et la lutte non-violence au sein de l'UDPS. D'une manière générale, pour être bref, pour résumer les choses, les principes de la lutte non-violente reposent sur deux concepts. C'est d'abord ce qu'on appelle la défiance politique ou la désobéissance civile, et ensuite la non-coopération. Je voudrais expliciter ces deux concepts. La défiance politique, c'est refuser à l'autorité établie ses qualités, ses ordres et tout ce qu'il fait dans la gestion quotidienne. Surtout, les ordres donnés de manière illégale à la police ou au peuple en général. Donc, le premier principe important, c'est la défiance politique. Et tout à l'heure, vous me direz si nous le faisons au Congo ou pas. Deuxième principe fondamental, c'est la non-coopération. Ça veut dire, l'autorité, par exemple, demande à faire quelque chose. Je prends un exemple simple. Le dialogue politique de M. Kabila. Le fait de refuser son dialogue, c'est la non-coopération. Pourquoi? Parce que vous l'aidez à asseoir sa dictature. Un autre exemple, lorsque le président Tshisekedi demande à nos députés de ne pas participer, ça veut dire qu'il ne faut pas coopérer avec cette assemblée
qui est artificiellement majoritaire, que nos députés risquent d'accompagner, ils l'ont fait pendant 5 ans. C'est ça la non-coopération. Mais ici, il y a eu plutôt la coopération plutôt que la non-coopération. Et je peux multiplier des exemples. Donc, deux principes fondamentaux, la défiance politique ou la désobéissance civique et la non-coopération. C'est comme ça que la lutte non-violente se pratique partout au monde. Et dans certains cas, la désobéissance aboutit à la force, aux affrontements, dans certains pays. Et c'est là où le rapport de force intervient. Je voudrais souligner le fait que toute dictature au monde ne justifie son existence que s'il y a un peuple. S'il n'y a pas un peuple que la dictature doit opprimer, elle n'existe pas. La dictature n'existerait pas. En d'autres termes, le comportement des dictateurs est fonction de ce peuple. Et c'est ainsi qu'on dit chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Si vous acceptez par indolence une dictature, elle va vous mater. En plus, si le peuple est ignorant, eh bien, il est exposé à la servitude de toute forme d'oppression de la part du pouvoir et même de l'extérieur. Donc, un peuple ignorant, un peuple peureux, un peuple faible sert à pérenniser une dictature. Ces éléments-là sont des éléments fondamentaux que je donne comme principe général. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les piliers de la dictature. Quels sont les piliers d'une dictature? Ce sont d'abord les institutions. On doit les identifier et le moment venu les déstabiliser. Les piliers de la dictature, les piliers qui consistent à asseoir et consolider une dictature, doivent être combattus. Puisque nous, on voit le dictateur lui-même seulement. Mais nous ne voyons pas les piliers de la dictature et les composantes de ces piliers-là qui sont des institutions, qui sont des individus que nous côtoyons tous les jours. Parfois, on mange avec et tout le temps. Mais ils consistent à asseoir la dictature. Pourquoi? À cause de notre peur, à cause de notre ignorance, à cause de notre indolence, à cause de notre nonchalance. C'est ça. Maintenant, je reviens à ce qui concerne notre pays. D'abord l'opposition. Posons-nous la question dans cette salle. Est-ce que nous appliquons le principe que je viens de vous énoncer ici? La défiance politique. La désobéissance civique. Il y a des pays où on a mis par terre une dictature rien qu'en refusant de payer les impôts. Refuser les factures, payer les factures d'eau et d'électricité, surtout dans un pays où on ne vous donne même pas l'électricité. On ne vous donne même pas l'eau. Et quand on vous donne l'eau, c'est de l'eau que vous ne pouvez même pas laver votre visage. Et nous continuons à payer ces factures. La défiance politique est fondamentale dans une lutte non violente. Mais pour l'opposition, je viens de dire que je n'ai jamais vu aucune défiance dans ce pays, et surtout depuis que celui qui est à la tête de ce pays pour le moment est là. Si vous avez des exemples, vous allez me les donner. À l'UDPS, nous en parlons, mais nous ne faisons rien, nous n'appliquons rien. Ni la défiance, ni la non-coopération. La preuve, c'est que nos députés sont allés
accompagnait la dictature avec sa caisse de résonance, qui est l'Assemblée nationale, où aujourd'hui nous pouvons leur demander les bilans, c'est zéro. Ils n'ont fait passer aucune loi, ils n'ont rien défendu. Au contraire, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Quelques kilos pour devenir en bon point. Ceux qui étaient, qui n'avaient rien, qui étaient en haillons, ils ont des costumes maintenant, ils roulent carrosse. C'est la seule chose qu'ils ont gagné. Voilà une façon de nous empêcher de faire une lutte, une bonne lutte non violente. J'insiste bien au niveau de mon parti où nous devons nous réveiller. C'est le parti phare du Congo. Nous avons déjà eu à ébranler une dictature, celle de Mobutu. On a appliqué un résidu de ces principes et ça a marché. Par exemple, les journées mille mortes, nous les avons faites. Mais aujourd'hui, on ne fait plus tout ça, il faut qu'on se réveille. Cela veut dire qu'il faut une planification stratégique. Mais je voulais d'abord vous dire aussi que ce que je viens, les principes que je viens de vous énoncer devraient être connus à la population. Nous devons les amener partout dans le pays. Ces principes-là pour que tout le monde les comprenne. Bien sûr, en commençant par nous, les intellectuels, les groupes sociaux qui sont bien aguerris pour bien comprendre ces principes et bien sûr les transmettre à la population. C'est ainsi que j'ai trouvé l'importance d'une communication politique. Sans la bonne communication politique, vis-à-vis de notre peuple, rien ne passera. Et j'en arrive à la planification stratégique. C'est-à-dire que pour le moment, et je suis dans le concret là, pour le moment, nous savons que Kabila maîtrise tout. Il maîtrise tout. Sa seule fragilisation, c'est la communauté internationale. Que nous ne maîtrisons pas, nous aussi, puisque ça, elle varie, c'est à géométrie variable. Donc, nous ne contrôlons pas les lobbies qui tournent autour de la communauté internationale. Donc, pour le moment, Kabila contrôle tout. Ça veut dire que, en plus de la communication politique dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut des stratégies qui s'adaptent à la situation d'aujourd'hui. Il est tout à fait clair, il est tout à fait clair que les élections n'auront pas lieu en décembre. C'est connu, à moins d'être un ignorant ou quelqu'un qui ne réfléchit pas pour dire « Ah oui, il faut que ce soit en décembre, oui, pas de dépassement des délais constitutionnels. » Ça, c'est trop naïf, c'est dépassé. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des stratégies qui s'adaptent aux réalités du moment. Pour nous, à l'UDPS, et là je l'ai dit aujourd'hui, peut-être pour la première fois et vous l'attendrez encore, je vais le répéter, le dialogue est dépassé. Il faut y mettre une croix. Pour trois raisons. Je vais vous donner les raisons. Et je suis prêt à les dire partout où se trouvent mes combattants de l'UDPS, même à Kinshasa. Et je vais y aller bientôt. La semaine prochaine. Le dialogue est dépassé. Première raison, nous avons donné un délai butoir au 30 novembre, rien n'est arrivé. Il n'y a pas eu de nomination des médiateurs. C'est pas parce que Kabila a signé ses ordonnances, il voulait organiser sa commission préparatoire que nous sommes liés à ça. Nous n'y sommes pas du tout liés. Ça veut dire que notre ultimatum a pris fin, il n'y a rien eu. Et si nous n'avons rien eu, ça veut dire que ce dialogue devient caduque.
Je crois que quand on réfléchit, il faut être constant. Il n'y a pas eu de dialogue. Nous avons dit, si le 30 novembre, il n'y a pas de dialogue, ce dialogue ne nous concerne plus. Donc, il faut y mettre une croix. Parce que si nous continuons à parler du dialogue, nous donnons l'occasion à Kabila d'aussi entretenir les siens et de créer des manœuvres dilatoires. Oublions ça et passons à autre chose. Je vais vous dire de quoi nous devons passer. Deuxième raison. Deuxième raison, c'est que, comme je viens de dire, il y a une conviction certaine qu'il n'y aura pas d'élection en décembre de cette année. Et pourquoi nous devons nous endormir pour attendre des élections hypothétiques qui ne viendront pas cette année-ci? Nous sommes quand même des personnes qui réfléchissent. Nous réfléchissons. Nous ne pouvons pas continuer à croire aux élections hypothétiques et même carrément incertaines. Pour cette raison-là, nous devons nous préparer à autre chose. Troisième raison. Et puis, je voulais dire par rapport à ces élections, à ces délais qui seront dépassés, l'objectif de Kabila vis-à-vis de l'UDPS, c'est de débaucher un jour un groupe de l'UDPS. Peut-être proche du président, je n'en sais rien, mais créer un débauchage pour former un gouvernement de transition. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. On a souffert pendant 33 ans de lutte politique pour venir offrir des béquilles à M. Kabila aujourd'hui, puisqu'on va donner des Marocains dans un gouvernement où il aura la maîtrise, puisqu'il peut former un gouvernement avec un premier ministre de l'UDPS, mais il forme aussi un gouvernement parallèle qui aura la gestion de la sécurité, qui aura la gestion de l'argent, l'économie et tout. Et vous, vous êtes là avec des étiquettes des ministres. Nous avons vu comment Mobutu nous a chassés. Moi, j'étais dans l'équipe de Tshisekedi, issu de la conférence. Le dictateur reste toujours égal à lui-même. Et actuellement, autour de Kabila, ce sont des Mobutistes qui montent, les mêmes Mobutistes qui montent des stratégies. Donc, si vous rêvez d'être dans un gouvernement des transitions où il va vous servir des béquilles pour rallonger son pouvoir, ça c'est quelque chose d'inacceptable. Et nous devons interroger la base de l'UDPS pour que cela ait lieu. Et je sais que la base dira non. N-O-N. Troisième raison, nous avons aussi la conviction que M. Kabila veut nous manipuler jusqu'au bout, selon les comportements des Congolais, des partis politiques, des acteurs politiques. Il manipule tout. Il fait semblant de faire une ouverture, pendant que derrière, il a tout verrouillé. Il fait semblant de vous offrir ou de vous tendre la main, alors qu'il fait le contraire. D'ailleurs, nous le voyons tous les jours. On négocie à Venise et à Ibiza, lui il nomme les commissaires spéciaux. On fait ceci, lui il fait autre chose. Il renforce la CENI à sa faveur, il fait tout. Donc, il manipule tout. Donc, c'est le moment d'éviter qu'il continue à manipuler ses peuples. Parce qu'il a les médias, il a ces hommes, l'argent ou corrompre pour acheter des gens. Voilà comment il est en train de nous endormir. Donc, ça c'est la troisième raison. Donc moi, j'estime comme cadre de l'UDPS, le dialogue s'est dépassé. Nous devons passer d'abord à la réorganisation de notre parti. Bienvenue le congrès, le deuxième congrès qui arrive. Réorganisation du parti. Nous n'allons pas nous précipiter et ensuite
avec la nouvelle direction politique, s'il y en a, que j'espère d'ailleurs, une nouvelle direction politique de l'UDPS, on fait une bonne planification stratégique avec une bonne communication politique pour aller de l'avant. Et c'est comme ça, nous devons aller partout, expliquer l'article 64, dont je vais vous parler maintenant, expliquer l'article 70, expliquer l'article 220, parce que je viens de vous dire, un peuple ignorant est à la merci du dictateur. Et le dictateur se frotte les mains, parce qu'il sait qu'il peut continuer comme ça indéfiniment. Personne ne l'inquiétera. En plus, il a les services de sécurité pour nous faire peur, pour nous intimider. Et en plus, en outre, il a l'argent. Et comme vous savez, lorsqu'on appauvrit une population, c'est pour la rendre encore plus malléable et plus corruptible. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la lutte non violente. Donc, pour le moment, ce qui est du concret, c'est appliquer les principes. Principes que nous devons expliquer à la population par une bonne communication et par des acteurs politiques qui sont déterminés à expliquer ces principes et qui n'ont pas peur d'aller vers la population, qui n'ont pas peur d'aller dans des trous, des saletés de nos communes, de Kinshasa ou à l'intérieur, il faut que ce soit expliqué. Nous devrons prendre le temps qu'il faut. D'ici décembre 2016, pour expliquer à la population ce que nous voulons. Maintenant, j'en arrive à l'article 64. Cet article 64, je vais vous lire. C'est pour ça que j'ai amené la Constitution pour qu'on ne me dise pas que je raconte n'importe quoi. Lorsqu'on est intellectuel, il faut lire. Il faut se référer sur ce qui est dit. Je sais que je vais vous ennuyer pour ceux qui connaissent, mais est-ce que vous me permettez que je vous lise? Il y a deux paragraphes. Le premier paragraphe de l'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec, je dis bien, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Excusez-moi. Oui, elle est punie conformément à la loi. Je vais faire mon interprétation de la manière suivante. Je commencerai par le deuxième paragraphe. Pourquoi je commence par le deuxième paragraphe? Parce que vous avez tous suivi un procureur général de la République qui est sorti pour dire « Ah, les gens qui veulent appliquer l'article 64 sont contre l'ordre constitutionnellement établi. » Mais je vais vous dire ceci, que à l'heure actuelle, nous vulgarisons cet article. Si nous acceptons que M. Kabila constitue un ordre, une institution constitutionnellement établie, nous lui accordons cette faveur, mais jusqu'à décembre 2016. Puisqu'au-delà de décembre 2016, il viole la Constitution et il tombe dans le premier paragraphe. Comprenons bien. C'est pour ça que j'ai dit que d'ici là, prenons tout le temps
de nous organiser, puisqu'il va dépasser le délai. Il faut l'empêcher de dépasser ce délai, puisqu'il viole la Constitution. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'argent que nous allons l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter, puisqu'il a eu 5 ans pour prévoir un budget électoral. Il n'y a aucun prétexte pour ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel. S'il le fait, c'est qu'il viole la Constitution. C'est-à-dire, si on arrive en décembre et qu'il n'y a pas d'élection, mais ce Kabila a violé la Constitution par son incurie ou incompétence ou incapacité d'organiser les élections dans les délais. Et qu'est-ce que nous faisons quand il y a violation de la Constitution? C'est un individu et son groupe d'individus d'ailleurs qui veulent se maintenir au pouvoir contre notre Constitution. Et là, l'article 64 s'applique. Et dans la manière la plus rigoureuse possible et avec toutes les stratégies que nous devons élaborer, dont nous ne pouvons pas parler ici, parce que ça relève de la planification stratégique et des acteurs qui vont appliquer cela. Je terminerai par ce qu'il peut dire, ce qu'on peut nous inventer comme raison, en se référant à l'article 70 ou 70, nous sommes en Belgique. Là, il y a l'alinéa 2 qui dit ceci. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais on ne peut appliquer ce paragraphe que s'il y a eu des élections. S'il n'y a pas eu d'élection, on dit président élu. Dans ce paragraphe, il faut bien vraiment analyser tous les mots, les termes. Jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ça veut dire qu'au moment où il veut se maintenir là, quelle que soit la durée de cette petite transition, il faut qu'il y ait déjà un président élu. Comprenons-nous bien, parce que c'est important, hein, il y a les perroquets ou les vouvouzélateurs du pouvoir ou je ne sais quoi là, qui propagent des choses. Ah non, s'il n'y a pas un président élu, s'il n'y a pas un président tout court, ah, il reste en fonction. Mais il ne veut pas rester en fonction. Il viole la Constitution, puisqu'il n'a pas organisé les élections. Il faut qu'il y ait un président élu, déjà. Donc voilà les éléments essentiels. Je voudrais vous dire que les jours prochains seront durs pour nous les Congolais, du moins ceux qui seront au front. Je vous invite vraiment à vous y impliquer, chacun à sa manière. Même si vous êtes ici dans votre salon avec papa, maman, femme et enfant, mari, tout ça, il faut penser à ceux qui seront au front. Puisque les jours qui viennent seront durs. Vous venez de suivre le discours du président. Ses messages de vœux, ça a été clair. Cette année-ci, c'est l'année décisive et nous devons, ou bien nous mourrons tous, ou nous survivons. Merci. Je veux très rapidement, toujours en respectant le timing, même si ça a été Ah oui, parce que lui, on doit libérer le docteur, il doit partir. Je vais seulement demander s'il y a 2 ou 3 maximum de questions rapidement, comme ça on les libère. Est-ce que par rapport à son intervention, il y a 2 ou 3 questions, sinon on va les libérer. Ceux qui ont des questions, rapidement. Ah, monsieur Lossé, qui est vraiment très 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 court, parce qu'il y a d'autres orateurs à votre gauche et à votre droite. Merci. Merci pour tous ceux qui ont posé les questions. Je vais essayer d'être assez bref et explicite. Mon cher Mick et ami et collègue combattant, moi,
poser deux questions pour qu'on puisse remettre les choses en place, principalement pour qu'il y ait un émissaire. Mais j'ai dû me déplacer, j'ai dû voir Boutros Ghali, qui m'a demandé de le... Je l'ai vu ici à Bruxelles, mais il m'a demandé de le suivre à New York. Et quand je l'ai vu à New York, il m'a mis en contact avec les conseillers juridiques du Conseil de sécurité pour explorer les voies. C'est comme ça que Brahimi a été nommé. Donc, c'est ce que nous devrions faire, nous. On ne l'a pas fait. Bon, c'est dommage, mais on ne l'a pas fait. Madame Sylvie me pose la question de savoir est-ce qu'il y aura, s'il n'organise pas les élections, n'y aura-t-il pas de vacances à ce moment-là à la présidence? C'est le gros problème. C'est pour Kabila dans sa tête, il a dépassé le délai, il applique l'article 70, deuxième alinéa. C'est-à-dire que lui, il reste. Il n'y a pas de vacances. Mais pour nous, il y aura vacances. Ça veut dire qu'il y aura affrontement. Mais la Constitution règle la question de vacances. Laquelle? L'article 77. Non, 70, vous voulez. Non, 77 de la Constitution, ça parle de la vacance. Du pouvoir, oui. De la vacance du chef de l'État. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez lire cet article-là. Oui, mais ici, je comprends ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on fait de cet article-là? Parce que parfois, quand on crée ces. Ça, vous voulez dire que c'est Kengo qui les remplace et tout ça. Mm-hmm. Bon. Justement, moi, je voulais bien comprendre cet article-là. C'est un problème politique, comment, madame. Comment on interprète ça? Son interprétation. Quand moi, je ne suis pas dans la tête de M. Kabila. Lui, mais non, il dit les législateurs. Je suppose que quand on se réfère à ces textes, que pensent les législateurs quand ils parlaient de cette vacance-là? Il s'agit de quelles vacances? Bon, non. Ici, la vacance, c'est pas démission, la mort et je crois. Le 77, on peut le lire. Ça n'a rien à voir. Justement, c'est autre chose. Le 77, c'est l'adresse, le message, tout ça. 76. 77, j'ai dit. Non, 76. 76. L'avant-dernière alinéa. Attendez, l'avant-dernière alinéa, 76. Oui, on parle. En cas de vacances, ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle qui est sa cour à lui. Qui est sa cour à lui. Mais ça peut... Attendez, non, madame. Attendez. Est-ce que vous voulez écouter qu'on vous explique? En cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président a lieu sur convocation de la commission électorale indépendante, 60 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance et de la découverte de la déclaration du caractère définitif d'empêchement. Je crois que je peux m'arrêter là. Docteur, c'est une vacance qui est issue de l'empêchement. Qui peut être déclarée par des médecins incapables de diriger, et en ce moment-là, quand la Cour le certifie, c'est comme ça que la Constitution, le législateur dit que 70 jours après, ils sont en droit d'organiser son remplacement. C'est-à-dire qu'il peut être dans son mandat, mais il est empêché physiquement ou je ne sais pas. Merci, comment. Merci. Ou à quand des décès. Mais alors, madame, nous sommes dans un cas atypique de quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir. Enlever de la tête des hypothèses auxquelles nous ne pouvons pas, que nous pouvons pas évoquer ici. C'est un cas de force, de passage en force. Elle ne sait qu'elle veut dire ceci. Il faut bien la comprendre. Elle dit... Puisque l'article parle de vacances, hein, c'est cela, madame. Oui, mais maintenant, dans le cas où on arrive que, voilà, jusqu'au bout, est-ce qu'on peut parler maintenant, on peut parler de vacances? Non, il n'y a pas de vacances. Si on ne parle pas de vacances... Il n'y a pas de vacances, madame. Oui, mais comprenez qu'elle a interprété ça ou pas. Mais maintenant, s'il y a vacances, elle fait allusion maintenant, dit que selon la Constitution, il y a, par exemple, le chef de l'Assemblée qui peut prendre... Moi j'aimerais qu'on simplifie les choses. Il faut qu'on simplifie les choses, madame. Nous sommes ici dans un cas où un président en place
veut faire un passage en force. Voilà, oui. C'est ça. Oui. Pour lui, il n'y aura pas de vacances. Puisqu'il explique à qui veut l'attendre, on appliquerait le deuxième alinéa de l'article 70. C'est dans sa tête, c'est ça. C'est ça. Mais nous, quelle est notre interprétation? Pour nous, l'interprétation est la suivante. Il n'a pas pu organiser les élections dans un délai, dans les délais constitutionnels. Il doit dégager. Merci. Mais c'est à ce moment-là qu'un autre problème risque de se poser. Qui peut le remplacer si nous arrivons à le dégager? Ça, ça fait partie peut-être d'un autre débat. Je n'ai pas encore terminé. Jean-Claude Ilong avait posé la question sur le dialogue en faisant allusion au président. Mais vous venez de suivre le message, hein. Ce n'est pas... On vous a lu le message. Heureusement d'ailleurs que M. Abis a lu le message. Il dit se référer au peuple. Il y a des manœuvres dilatoires pour empêcher le dialogue. Et ça dure. Nous ne pouvons pas attendre éternellement. Ça veut dire que il faut se référer au peuple souverain. Et pour celui, j'ai oublié de noter le nom, il m'a posé la question sur l'article 64. Si Kabila reste en place, que faire? C'est ce que je viens de dire. Ça sera l'affrontement. Rien d'autre. Ça sera l'affrontement. Est-ce que vous pouvez faire autre chose? Parce qu'il devient illégal et illégitime. Il devient illégal et illégitime. Et il se maintient par la force. Je suis là, je reste. Venez m'enlever si vous pouvez. C'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sera le rapport de force qui interviendra. J'ai dit et je vous remercie, mes chers frères et sœurs. Applaudissez, messieurs le Seke. Voilà, pour sa brillante intervention, messieurs Damien Toambi, le secrétaire général de Prenons-nous en charge. Bonsoir, bienvenue parmi nous et on vous donne la parole. Merci. Un quart d'heure. Merci. Merci mon frère Amissi pour la parole. Moi je voudrais féliciter les organisateurs, surtout que ce sont des jeunes et moi j'en fais ces derniers temps un cheval de bataille. Et voilà, et je voudrais aussi vous remercier, vous l'Assemblée, pour la présence et votre patriotisme. Voilà, il m'a été demandé d'exposer sur un thème qui est pour moi intéressant. Et puis aujourd'hui, nous avons un cadre de réflexion assez révolutionnaire. Voilà, mais avant toute chose, je voudrais vous dire deux mots sur la plateforme Prenons-nous en charge que je représente. Prenons-nous en charge, effectivement, c'est le nom d'une plateforme qui répond à l'appel lancé par le président élu que la population congolaise puisse se prendre en charge. Alors nous disons que nous allons nous accrocher à ce slogan pour effectivement nous prendre en charge, mais à tous égards. Nous sommes une plateforme politique qui regroupe plusieurs organisations qui se retrouvent dans les valeurs tshisekedistes et qui y a pour objectif en tout cas de pouvoir œuvrer pour un changement politique intégral en RDC. L'émergence en tout cas a suscité un leadership crédible et puis l'implication de nous la diaspora dans la gestion politique et le redressement socio-économique du Congo pour demain. Voilà, je m'en vais dans le vif du sujet, le rôle du citoyen dans la libération, dans la lutte pour la libération de la RD Congo. Alors ici, moi je voudrais tout de suite me réjouir déjà du fait que le docteur Le Seke m'a précédé parce que je pense qu'il a tracé les grandes lignes à travers lesquelles je vais continuer en fait l'esprit de l'exposer. Et avant, je voudrais qu'on se mette un peu d'accord sur les concepts, de manière à ce qu'on émette sur la même longueur d'onde et qu'on dise plus ou moins la même chose. Ici, j'ai deux concepts dans mon thème. Le rôle du citoyen dans la lutte pour la libération. Donc ici, j'ai le mot citoyen. Citoyen, je considère citoyen comme un membre d'un État
du point de vue de ses droits et de ses devoirs politiques. Alors ici, moi, je voudrais mettre beaucoup plus d'accent sur l'aspect des devoirs politiques et j'évoque l'aspect du devoir de défendre sa patrie, de la capacité de pouvoir se sacrifier pour sa patrie. C'est celui-là, le citoyen. On peut naître congolais, mais on n'est pas nécessairement citoyen congolais. Je nais congolais parce que voilà, je suis né d'un des parents qui est congolais, mais je deviens citoyen congolais au moment où je deviens consciencieux que j'ai le devoir de pouvoir défendre la patrie et que la nation, c'est en tout cas, enfin, le Congo par exemple, c'est la terre de mes ancêtres. Le deuxième concept est la libération, qui est en fait un acte de mise en liberté d'une personne prisonnière. La personne prisonnière aujourd'hui, c'est non seulement le Congo, mais c'est aussi la RDC. Nous avons cette prison, évidemment, qui se caractérise par le fait que le taux de pauvreté chez nous, c'est au-delà de... Enfin, il y a 90% de notre population vit dans un état de pauvreté. Nous avons la liberté d'expression, en fait, qui devient un crime au Congo. Tout montre qu'il y a un consensus entre une entité dominante et une entité dominée. C'est comme si c'était normal, il y a une poignée d'hommes qui domine sur un peuple et c'est normal. C'est comme si un consensus entre les deux entités. Et je passe à un état des lieux de la situation. Je parle du rôle du citoyen dans le processus, en tout cas, de la libération du Congo. Un état des lieux. Aujourd'hui, je continue un tout petit peu le débat de tout à l'heure. Tout montre clairement, plusieurs indicateurs montrent que Joseph Kabila n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Plusieurs indicateurs le montrent. Je voudrais parcourir avec vous quelques-uns. Vous allez vous souvenir, déjà avec Bochard qui nous a entraînés dans la notion de l'inanition de la nation s'il n'y a pas révision constitutionnelle. Il écrit son livre en disant « Entre la révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation ». C'est-à-dire, si on ne révise pas la constitution, la nation va dépérir, la relation va mourir. Il a fait une campagne pour pouvoir faire la promotion de la possibilité de modifier l'article 220 qui limite le mandat du président à deux. Nous avons la tentative d'intégrer dans l'alinéa, dans l'article 8 de la loi électorale, un alinéa qui imposait le recensement, un recensement qui devait nous amener à dépasser, aller à 2-3 ans au-delà du mandat. Nous avons un début de consultation sur le dialogue que Kabila en fait a commencé depuis le mois de juin. Il a commencé des consultations depuis le mois de juin et il a publié son ordonnance qu'au mois de novembre. C'est-à-dire, il prend son temps à faire des consultations et entre-temps, effectivement, le temps passe et on tombe dans les difficultés qu'on évoque tout à l'heure. La difficulté technique de pouvoir organiser les élections, je vais y arriver. Le démembrement territorial. Kabila se décide, sur base de la Constitution, de pouvoir réformer le territoire. On a dépassé le Congo, on passe de 11 à 26 provinces. C'est légal, mais il le fait, pas au moment qu'il faut, mais il le fait parce qu'effectivement, il faut créer un désordre de manière à ce qu'il n'y ait pas des élections de manière convenable. Nous avons le détournement des provisions annuelles pour la CENI. Chaque année, il était prévu qu'il y ait 200 millions de dollars. Effectivement, on a mis de côté 200 millions de dollars, mais aujourd'hui, on ne sait pas pendant les 4 ans, les 800 millions sont où. Et il y a un élément important, c'est que lorsque vous regardez comment ils ont budgétisé en fait le budget cette année, comment ils ont prévu le budget cette année, c'est que nous avons 515 millions de dollars prévus pour les élections et il y a 300 millions de dollars prévus pour un référendum. C'est un indicateur qui montre que Kabila veut quand même aller dans un référendum, nous amener dans la modification de la Constitution. 500 millions prévus pour cette année, j'ai suivi encore hier le représentant de la RDC aux Nations Unies qui dit mais 500 millions, nous devons mobiliser peut-être plus ou moins entre 10 et 50 millions de dollars chaque mois. On en est incapable. Il l'a déclaré avant-hier, c'est-à-dire jeudi, aux Nations Unies, nous ne sommes pas capables, on n'a pas la capacité de mobiliser une telle somme. Plus loin, nous avons la nomination de Maluma à la tête de la CENI. Je cite les indicateurs qui montrent que Kabila n'a pas l'intention de partir. La nomination de Maluma à la tête de la CENI, ici j'ai le comportement du camp Kabila lors des pré-dialogues. Vous savez que entre l'UDPS et le camp Kabila, il y a eu des pré-dialogues, il y a eu des échanges pour pouvoir préparer le dialogue.
Nous sommes tous au courant, vous le savez aussi, qu'à un moment donné, le président a été obligé de pouvoir retirer la délégation de ces échanges, parce qu'effectivement, des propositions ou la propension de Kabila à pouvoir, en tout cas, prostituer l'UDPS devenait tellement flagrante que, voilà, on a été obligé de se retirer. C'est un indicateur qui montre que l'homme ne veut pas quitter le pouvoir. La campagne publicitaire sur le dialogue, qui est très intensive, nous assistons aujourd'hui finalement, ben, Kabila en fait, et comme dit Solo la Ebenza, le dialogue c'est l'histoire de Kabila. Il y a des panneaux partout, il y a des dynamiques qui sont créées. J'aime le Congo, on fait signer aux gens la charte pour le dialogue. Ça devient comme assez inquiétant. Pourquoi est-ce qu'il est autant acharné à organiser ce dialogue à sa manière? Et au-delà de ça, nous avons des brigades qui sont récemment formées. J'ai suivi dernièrement qu'il y a des brigades qui viennent d'être formées du côté, deux brigades je crois, du côté de Goma. Il y a eu 1500 militaires de chez nous formés, c'est des commandos brevetés. Et on nous dit qu'ils vont être éparpillés à travers la République parce que maintenant ils sont prêts. Mais je pense, là c'est moi qui le dis, c'est des gens qui seront concentrés effectivement à Kinshasa par rapport à tout ce qui peut arriver. Et pour terminer, encore un indicateur important, c'est tout ce qu'on voit dernièrement. On a vu Kabila investir dans l'achat des camions anti-émeute, hein, des camions anti-émeute avec un système de pompage d'eau chaude pour pouvoir disperser les gens. Voilà. Je viens de citer une liste d'indicateurs qui montrent clairement que Joseph Kabila n'a pas l'intention de partir. Un autre élément de très important, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est sur les élections. Tout à l'heure, techniquement, c'est le débat de tout à l'heure. Techniquement, nous pouvons effectivement dire que au mois de novembre, ça devient très difficile de pouvoir organiser l'élection. Et ça, c'est voulu par Joseph Kabila. Mais effectivement, dans la communication, nous devons maintenir ça. Nous devons exiger les délais constitutionnels. Dans la communication, moi, je crois que c'est stratégique. Nous devons exiger les délais constitutionnels. C'est pour effectivement l'amener jusqu'au bout du rouleau. 8 millions de nouveaux majeurs enregistrés. Je voudrais faire avec vous un petit calcul. C'est 8 millions, mais en réalité, c'est quand même une trentaine de millions d'électeurs à pouvoir enregistrer. On peut faire un petit calcul de mathématiques. En 2011, il y a eu à peu près 1890 centres d'inscription. Centres d'inscription, 1890. Nous avons 30 millions de Congolais à enregistrer. Maintenant, les 1890, plus ou moins 2000 centres. Donc, si nous considérons qu'on prend 10 minutes par individu pour l'enregistrer, parce qu'il faut effectivement lui prendre une photo, remplir un formulaire, patipatata. Dans les calculs, vous allez vous rendre compte que nous avons 60 personnes enregistrées par jour. Et quand on fait ces petits calculs, ça nous amène à plus ou moins une année, hein, uniquement pour l'enregistrement. Sans oublier toutes ces contraintes liées aux aspects financiers et autres choses. La réalité que Kabila l'a fait de manière à ce que en novembre, qu'il n'y ait pas des élections et qu'il y ait plutôt un glissement organisé. Mais ici, nous sommes en train de dire que nous sommes des citoyens. Nous n'avons pas le devoir de pouvoir donner encore une occasion à Kabila de pouvoir rester même un seul jour en plus du mandat qui lui est donné. Aujourd'hui, moi, je voudrais partager avec vous quelque chose de concret. Le docteur Lesseke a donné des grandes lignes, les principes théoriques par rapport à la non-violence et tout ça. Mais je voudrais ici, moi, partager avec vous quelque chose de concret sur ce que nous devons faire, ce que nous, les citoyens congolais, devons faire, ce que nous, ici, dans la diaspora, nous devons faire de manière concrète et pratique. Je lis pour vous quelques citations importantes par rapport à l'esprit de ce que je voudrais traduire. On ne libère pas un peuple se libère. Ça, c'est une citation connue et qui est réel. Quand ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant, et quand ceux d'en bas ne veulent plus gouverner, plus être gouvernés comme avant, alors s'ouvre une période de révolution. C'est Lénine. Pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il existe un mouvement révolutionnaire doté d'une perspective politique et porté par des forces politiques révolutionnaires. Kalix Beyala, une Camerounaise. On ne libère pas un peuple se libère. Il faudrait que nous puissions intérioriser le fait que Joseph Kabila ne veut pas partir et que nous devons nous préparer à entrer dans une période de révolution. Je ne suis pas totalement d'accord avec le docteur sur l'aspect du dialogue.
lorsqu'il dit que voilà, il faut qu'on puisse mettre une croix sur le dialogue. Mais moi, je considère que nous devons considérer que ce dialogue, c'est un outil stratégique pour que nous ayons un alibi légal d'aller en période de révolution. Nous devons aller au dialogue, effectivement, sachant clairement que ce dialogue, c'est clair que ça ne nous permettra pas d'avoir des élections, techniquement parlant, dans les délais, mais nous devons continuer dans la communication à exiger les délais constitutionnels pour mettre Kabila contre mur. Mais le dialogue, nous devons y aller parce que ça nous donnera un alibi légal de pouvoir entrer en période de révolution. Dans le cas où, effectivement, on tombe dans le contexte où, 19 décembre 2016, il n'y a pas un nouveau président. De manière concrète, qu'est-ce que nous devons faire? Je commence par ceux qui sont au Congo. Et ici, je suis en train de sensibiliser l'UDPS. L'UDPS a la facilité ou l'opportunité d'avoir une jeunesse. L'UDPS a l'opportunité d'avoir... c'est le seul parti politique qui a des cellules existantes au Congo. À Kinshasa, l'UDPS compte plus ou moins 470 cellules. 470 cellules à Kinshasa, uniquement Kinshasa. Il est temps de pouvoir exploiter, utiliser notre jeunesse. J'ai directement avec M. Jean-Jacques Rondeau et après, il y aura séance de questions-réponses. Mais n'oubliez pas que nos amis, jeunes de l'autre côté ici sont en train de s'activer pour nous. Il y a un buffet qui est prévu, donc, parce que je vois des gens qui sont pressés de partir, donc on ne va pas les décevoir. Ils sont à côté en train de travailler, donc tenons bon jusqu'à la fin de la manifestation. Donc, M. Jean-Jacques Rondeau, à vous la parole. Mais quand M. Jean-Jacques Rondeau parle, une motion peut toujours intervenir. Comme ça soit plus interactif, ça ne dérange personne. Merci beaucoup. Le renseignement au service de la lutte de libération, le titre appelle déjà à un recadrage. Parce que nous sommes dans un débat public. Quand on parle du renseignement, le renseignement renvoie à la notion de service des secrets. Donc je pense que le cadre n'est pas approprié pour développer. On va parler de certains concepts. Et si vous voulez qu'on développe certains aspects, on peut les approfondir dans des cadres beaucoup plus appropriés. Et là, je pense que on en avait déjà touché un mot avec votre secrétaire national en relations internationales. Et voilà. Renseignement. Tout ça, je l'ai préparé ici. Donc, qui dit renseignement renvoie au traitement de l'information. Donc, au centre du renseignement, il y a la notion d'information. Et quand on va plus loin, l'information fait partie aussi de ce qu'on appelle la communication. Donc, si on veut déjà avoir un bon renseignement, on doit soigner sa communication. Mais la communication ne se limite pas à une communication interne, c'est la communication politique, la communication sur le plan diplomatique, la communication c'est le contact. Donc ça peut déjà être un élément dans le cadre de la lutte de libération. J'ai aussi un petit souci parce qu'on parle de la lutte de libération dans un contexte de combat politique. Je pense que si on veut être clair par rapport aux actions à mener, il faut bien définir ce que vous voulez. Est-ce qu'on est dans une dynamique de lutte politique qui se termine généralement par une victoire politique électorale? Est-ce que nous sommes dans le cadre d'une lutte de libération qui a un substrat militaire? Est-ce que nous sommes dans le cadre d'une lutte insurrectionnelle ou révolutionnaire, comme l'a dit mon ami Damien Tandy, qui a tout dit de ce que j'allais dire, notion de soldat citoyen, ou encore on peut parler de notion de armée-nation. Mais je reviendrai un peu en désordre sur tout ça. Donc ça, ce sont des questions qu'on doit se poser avant de mener une lutte. Parce que le renseignement, surtout dans le domaine militaire, reste au cœur de la victoire. Aujourd'hui, rien que le renseignement et la communication peuvent
être facteur d'une victoire. Je donne un exemple, la communication. Sur le terrain, les États-Unis ont gagné au Vietnam, militairement. La France a vaincu les Algériens sur le plan tactique militaire. Mais la communication, avec certaines images, ont fait que les États-Unis ont été touchés par leur opinion publique, aussi bien la France, et on a eu des effets contre-productifs. Et vous voyez la place de la communication. Quand on parle du renseignement, il y a deux aspects. Il y a le renseignement civil et le renseignement militaire. Le renseignement ne doit pas être une fin en soi, c'est un moyen. Et c'est un moyen même capital au centre de, vraiment au cœur de la guerre. Aujourd'hui, on parle de l'infoguerre. L'infoguerre, c'est. Je peux donner l'exemple de la Russie. La Russie est en train d'être mise en difficulté parce qu'elle a mal communiqué sur ce qui se passe en Ukraine, alors qu'elle avait beaucoup d'éléments de légitimité. Pourquoi la communication n'a pas été bien faite, et surtout que la Russie s'est mise à dos, la presse. Et je pense que quand vous êtes dans la communication ou dans un combat politique, si vous voulez aller plus loin, commencez d'abord à vous allier à la presse. Parce que la presse peut être une bombe à retardement. Il suffit de lancer une image, c'est fini. Et raison pour laquelle vous verrez que dans le domaine de l'enseignement, je le vis actuellement. Bon, on a parlé du Front Citoyen, je ne suis pas là pour ça. Quand je vois ce que Forum des As a écrit il y a quelques jours, relayé par la MONUSCO, Radio Capi, qui fait quoi, par exemple, que le pasteur Mokongobile était à l'île de Corée, où on m'attribue des fonctions politiques que je n'ai jamais exercées, où on dit, voilà, l'homme central de la République de Corée, Jean-Jacques Hondo, parce que j'ai été formé des gens techniques insurrectionnels, parce que je dis aussi qu'il faut être fou pour prendre des politiciens qui ne sont plus parlés pendant 5 ans, les mettre ensemble et dire, voilà, maintenant, on va vous apprendre à faire la guerre, ou raconter des histoires, je me bousse en ici. Voilà. Et si vous lisez un document que l'ANER a publié, vous avez vu un certain nombre de recommandations. Malheureusement, ces documents ont suscité juste le moi, mais c'était un document qu'on pouvait analyser et un document de travail. Aujourd'hui, tout ce que l'ANER fait découle des recommandations. Parce que dans les documents, on a parlé de contre-attaquer médiatiquement. Et vous allez voir toute une sorte de contre-attaque. Aujourd'hui, je découvre que j'ai travaillé avec des Sud-Africains qui étaient proches des Kagame, et tout ça parce qu'ils utilisent l'information. Le renseignement dans le domaine civil consiste à récolter un ensemble d'informations qui seront traités suivant des techniques bien appropriées dans le but de permettre aux autorités de prendre des décisions aussi bien pour la bonne marche des activités d'un État. Et dans le domaine militaire, le renseignement est très très précieux parce que vous ne pouvez pas, en principe, mener une guerre tant que vous ne connaissez pas votre ennemi. Et je pense que c'est Sun Tzu qui dit, c'est lui qui se connaît et qui ne connaît pas l'ennemi, gagnera quelques batailles en perdant d'autres. C'est lui qui connaît son ennemi, qui ne se connaît pas, donc qui ne connaît pas ses capacités, on fera autant. Mais c'est lui qui se connaît et qui connaît l'ennemi, gagnera toujours des batailles. Ça, c'est le premier principe de renseignement. Et quand vous êtes dans le cadre d'une lutte, que ce soit politique, une lutte armée, il faut d'abord bien définir qui est mon ennemi. Et il y a tout un principe, mais ce sont des éléments que je préfère qu'on développe dans d'autres cas de 4M, qui est l'ennemi, qui est la menace, quelle est ma mission, quels sont les moyens. Et tout ça, ça vous permet de mettre en place tout un cycle, ainsi que de renseignements, parce que aussi longtemps qu'on ne connaît pas qui est notre ennemi, ce sera difficile de mener une bataille. Donc la connaissance, ça signifie quels sont ses points forts, quelles sont ses faiblesses, quels sont ses atouts, quels sont ses alliés, quels sont ses alliés potentiels. On peut même éclater dans des analyses management de faire ce qu'on appelle un SWOT analysis pour
Pour ceux qui ne savent pas, le management est tiré de la stratégie militaire.